Ciao et benvenuto. Et oui, vous l'aurez compris, on est en Italie, en Lombardie, pas très loin du lac de Garde, donc sur la route qui nous emmène en Turquie, comme ceux qui nous suivent le savent. Et on va en profiter pour aller faire un tour du côté du lac de Garde et on va vous montrer ça. Allez, c'est parti. Bien donc, nous voici maintenant arrivés à Bordalino, un des premiers petits villages que nous allons aller visiter. Ne change pas les habitudes, on va visiter l'église, notre première église italienne. Allez, c'est parti. C'est beau, hein? Allez, on va continuer la balade. Vraiment, belle église. C'est parti! Donc, pour mémoire, hein, nous sommes en Lombardie, sur les bords des rives du lac de Garde. C'est très beau, hein? Nous voici au lac de Garde. Allez, on va aller faire un petit panorama. C'est parti!
c'est vraiment très très touristique ici. Hein. On va aller rejoindre des amis pour boire un bon café italien. Il va bien falloir qu'on goûte ça. Et c'est parti. Voilà, on ne pouvait pas passer en Italie sans ne pas goûter le café italien. Voilà. La partie à Sirmione, là où il y a la maison de la Calas. Alors je vous cache pas que c'est un truc hyper touristique. Bah tant pis, c'est le prix à payer. On y va. Sirmione, c'est une presqu'île qui rentre dans le lac de Gard. Voilà pourquoi il y a plein de monde. Bon ben, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. C'est incroyable. Et voilà la villa de Maria Callas. Elle est belle, hein, cette villa où demeurait la Maria Callas. Bon, la légende dit qu'elle montait en haut de la presqu'île pour chanter. Voilà, ça c'est la légende. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Allez, on continue la balade. Thank you.
Eh bien, c'est devant ce magnifique panorama sur le lac de Garde que s'achève cette vidéo. J'espère que vous aurez été conquis par cet endroit, une première étape sur notre voyage, comme je vous l'ai dit en préambule, qui va nous conduire jusqu'en Turquie. Allez, à bientôt les amis.